Salut à tous et bienvenue pour une autre lovely vidéo. Hier nuit, une vague d'émotion a déferlé alors que j'ai pleuré en regardant un reportage poignant sur des parents guinéens contraints d'abandonner leurs enfants à l'aéroport El Dorado de Bogota en Colombie. Et c'est en raison des contraintes financières les empêchant de poursuivre leur voyage vers les États-Unis. J'ai mis mon enfant de 10 ans à la place de ses enfants, réalisant l'ampleur de la détresse que ces familles peuvent ressentir. Mais quel que soit le bonheur que j'aurai dans la vie, j'abandonnerai jamais, jamais de la vie mon enfant, que ce soit dans un aéroport ou n'importe où. L'information a été relayée par le média colombien Noticia Caracol. Ayer una niña de 10 años, también africana, fue encontrada en el mismo aeropuerto. Julián Ríos, buenas tardes. ¿Qué es lo último? Hola, muy buenas tardes. Según Migración en Colombia, pues se trata de un menor de 13 años que también fue encontrado, al parecer, abandonado en una de las salas de abordaje aquí en la Sala Internacional, pasando precisamente eh, este puesto de control de migración y que comunica ya a las salas de abordaje. Dice Migración que el adolescente es de nacionalidad guinea y fue ubicado el 18 de diciembre a las 2 de la tarde en una de las salas de abordaje. Depuis le 7 décembre, les autorités de l'immigration colombienne ont signalé des cas où des enfants d'origine guinéenne, âgés de 10 à 13 ans, ont été abandonnés par leurs parents dans la zone de transit international de l'aéroport de Bogota. Et c'est selon Noticia Caracol. Les migrants guinéens arrivant par les vols de la compagnie aérienne Turkish Airlines, utilise la Colombie comme point de transit vers El Salvador, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique avant de pénétrer sur le territoire américain. À raison des récentes pressions exercées par les États-Unis sur les pays d'Amérique latine utilisés par ces migrants africains et asiatiques. Depuis le mois de novembre, le Salvador impose des frais de 1 130 dollars aux Africains et aux Indiens qui transitent par le pays pour se rendre au Nicaragua. Une fois arrivée à l'aéroport de Bogota, la compagnie aérienne colombienne Avianca, qui les transporte vers le Nicaragua via El Salvador exige le paiement des frais de 1130 dollars imposés par le gouvernement salvadorien. Beaucoup de Guinéens se trouve dans l'incapacité de payer ses frais, les contraignant à camper à l'aéroport El Dorado de Bogota. Des cas ont également été signalés où des Guinéens se font escroquer avec des faux billets d'avianca depuis la Guinée ou le Sénégal. Face à cette situation, des mesures structurelles sont actuellement prises par les autorités colombiennes en collaboration avec Turkish Airlines pour remédier à ces cas d'enfants arrivant en Colombie. Les détails de ces mesures n'ont pas encore été précisés, mais il est attendu qu'elle contribue à assurer le bien-être des migrants et à prévenir de futurs cas similaires où des enfants sont abandonnés dans des aéroports par des parents sans vergogne, par des parents qui n'ont pas de cœur. La législation colombienne permet aux citoyens africains de transiter par le pays sans frais. La scène de télévision a également rapporté que les deux mineurs guinéens abandonnés à l'aéroport de Bogota seraient pris en charge par l'Institut colombien de bien-être familial qui veillera à la restitution de leurs droits fondamentaux. Je lance un appel aux autorités guinéennes de faire tout ce qu'ils peuvent pour rapatrier ces enfants en Guinée. C'est une honte pour ces parents d'abandonner leurs enfants, même si ces enfants ne les appartiennent pas. Et d'abandonner ses enfants dans un aéroport qui se trouve à des milliers de kilomètres de la Guinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager pour sensibiliser d'autres avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. À très bientôt. Ciao.